Avant là, on pensait que les coups d'État, c'était contre les présidents vilains. Genre, toi, tu es président, tu es vilain. Tu ne travailles pas pour le peuple. Et puis, tu es dans un troisième mandat. Mais on t'enlève. C'est maintenant, on comprend que tu sois beau ou laid, si tu ne travailles pas pour le peuple, on peut t'enlever à n'importe quel moment. Regardez ces gars tout dernièrement. Quand on fait ce coup d'État pour excès de beauté du président, il est trop distrait par les filles. Donc, on ne peut pas laisser le destin du pays dans ses mains. Parce que partout, il y a femmes, il y a argent. À cause de ça, on l'a enlevé. Oui. Maintenant, imaginez. Toi, tu es président de la République. Tu te couches président. Et puis, tu te réveilles le matin sans emploi. C'est les autres présidents qui sont dans la même situation que toi qui s'appellent. Allô? Oui? Tu as confiance à ton garde-corps là? Parce que les garde-corps là aussi, c'est pas facile de... Imagine quelqu'un que tu as l'habitude de dire ne mange pas pour le moment. C'est lui, tu veux bouger, il te dit non, ne bougez pas. Là où vous êtes assis là, vous êtes arrêté. On te prend, on t'amène dans un camp militaire. On écrit des choses, on te dit de signer. Genre, c'est comme quand une fille infidèle tombe enceinte dans un quartier. Oui. Tout le monde connaît la fille, mais personne ne sait c'est qui l'auteur. Mais comme toi, tu es beau, tu as de l'argent, et puis tu es faible, on dit que c'est toi. On t'attribue la grossesse. Et puis on te dit de signer. Franchement, quoi. Et ce qui fait mal même, tu es assis là-bas, on va à la télévision. Là, on lisait tes décrets. Quand tu enlevais quelqu'un, on lisait tes décrets à la télévision là-bas. C'est là-bas qu'on vient te dire que toi aussi, on t'a enlevé. Par décret. Et puis on dissout tout. Personne ne peut parler maintenant. Non, c'est pas facile. Mais quand même, les gens qui font un coup d'État, pardon, mettez-vous dans de belles tenues quand même. Ah, vite, tenue là. Bon, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à laisser ça. C'est bon déjà. Voilà. Donc, de toutes les façons, parlons de mon code promo sur OneXBet. M. Tcherno. Inscrivez-vous à travers votre premier rechargement. Vous pouvez gagner jusqu'à 300% de bonus. Seul mon code promo peut donner ça. Donc, continuez à vous inscrire et continuez à jouer. Avec OneXBet, tu joues une fois, tu gagnes bêtement et tu deviens bête. Voilà, on est ensemble.